Bonsoir, chères belles âmes, en éveil, éveillée ou très éveillée. Une très très courte vidéo. Ce soir, il y a à peu près plus de 21h, je reviens de balade avec ma chienne et je voulais juste faire ce petit échange avec vous parce que à chaque fois que je me balade, forcément on est en pleine conscience quand on se promène. Alors je n'avais pas envie de faire la vidéo parlotte comme je vous en avais parlé, il y en aura une bientôt. Là, c'est vraiment un petit échange par rapport à une situation qu'on a vécue avec ma sœur il y a très très peu de temps et que beaucoup d'entre vous ont vécu ou sont peut-être en train de vivre ou c'est peut-être imminent, ils vont vivre cette situation de la perte d'un être cher. Et j'ai envie de vous dire, par rapport aux énergies ambiantes qui sont très très denses, très très changeantes, hein, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un état euphorique à un état complètement déprimé entre guillemets, je vous rassure, moi c'est ce qui m'arrive en permanence. Et le fait d'être dans une période entre guillemets de deuil, puisque pour moi le deuil ne se fait jamais, on ne dit pas un jour ça y est, j'ai fait mon deuil, voilà, le jour J, ah ben aujourd'hui on est samedi, 8h30 du matin, j'ai fait mon deuil. Non. Ce n'est que mon avis personnel. Le deuil, c'est le travail de toute une vie. C'est juste apprendre à vivre sans la personne physiquement. Apprendre à vivre avec elle d'une autre manière. On sait qu'elle est là de façon invisible. Elle est à nos côtés d'une manière qui n'est plus du tout la même que dans notre réalité. 3D, 4D, 5D maintenant. Mais bon, je vous invite à voir une autre vidéo avec les signes du monde invisible, les signes de nos défunts, à savoir une odeur de parfum qui leur était, familier, qui nous est familier, hein, une odeur de cigarette, une odeur de parfum qui sent très très bon, une odeur de fleurs, si une odeur par exemple de rose, si la personne défunte adorait les roses, en fait, etc. Et puis plein d'autres manifestations. Bref, je m'égare en tous les cas pour vous dire que moi, si je fais cette vidéo et j'en ferai une autre, c'est que j'ai plein de moments dans la journée où hop, je m'écroule, je pleure beaucoup du manque, même si vous le savez, je suis très très connectée à, voilà, à l'au-delà et je sais ce qui se passe après. Mais c'est dur. Vous voyez, ça va faire 5 mois là et j'ai l'impression que c'est hier et c'était hier et surtout, c'est le fait de réaliser cette disparition. Et tant qu'on est toujours en train de se dire, bah tiens, faut que j'appelle maman, faut que j'appelle papa. Une fraction de seconde, moi je sais que ça m'est encore arrivé hier. Enfin, c'est des petites bribes comme ça de moments où je me dis, tiens, je vais raconter ça à papa, il faut que je l'appelle, il faut que je lui téléphone. Et là, ça fait comme un éclair dans la tête qui te rappelle à l'arrêter. Ben non. Il n'est plus dans cet espace physique, cet espace incarné. Pas. Mais ça n'empêche qu'il y a plein de signes, il y a plein de beaux signes. Et je voulais juste vous rassurer comme quoi c'est très très dur. En plus, il y a beaucoup de personnes qui dernièrement vivent des périodes de deuil. On dirait que ça s'est aussi accentué par rapport aux énergies ambiantes. Il y a beaucoup de disparitions. Et notamment, j'allais dire c'est drôle, excusez-moi, c'est pas drôle dans le sens risible, et encore on pourrait parce qu'ils souhaiteraient qu'on rigole, qu'on rit, qu'on soit heureux tellement pour eux, mais on l'est. Mais il y a beaucoup de personnes de mon entourage ou un peu plus loin, dans mes cercles plus lointains, qui ont perdu un papa cette année, l'année dernière. C'est voilà, c'est une synchronicité qui est un petit peu bizarre, mais il y a beaucoup de la figure paternelle qui s'en va, que ce soit un papa, que ce soit un grand-père, que ce soit ou une figure masculine, que ce soit un frère, que ce soit un ami, que ce soit un oncle, un gendre, un beau-frère. Enfin, il y a beaucoup cette figure qui rejoint l'au-delà actuellement. Alors, bien sûr, il y a toutes les autres figures également, mais beaucoup cette figure masculine, paternelle. Donc, je voulais vous dire que je suis de tout cœur avec vous, de toute mon âme avec vous, et que c'est normal, et que moi, j'ai beau être dans plein de choses spirituelles, comme beaucoup d'entre vous, c'est dur.
pour ça que je fais cette vidéo là à chaud, parce que j'ai un, à la fois un côté en moi qui est combatif, qui a envie aussi de dire à papa et maman, regardez, on va bien, allez, on prend sur nous et on va faire plein de choses positives, parce que ça vous aide aussi dans votre cheminement. Et en même temps, bah, y a le manque physique qui est là, même si on communique autrement. Donc, c'est normal, c'est tout à fait légitime, normal, humain. Voilà, même si on sait plein de choses sur la suite des événements et que notre passage sur Terre n'est qu'un tout petit passage, une ponctuation, et que la maison, elle est ailleurs, mais pas sur Terre, notre vraie maison. Donc aujourd'hui, justement, ça fait très très longtemps que je ne vous ai pas tiré un petit jeu de l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Ce très très beau jeu, carte d'inspiration créatrice de Marilyn Coulombe. Si vous avez perdu quelqu'un l'année dernière, même qui a sauté là, si vous avez perdu quelqu'un très récemment, et bien cette petite carte est pour vous. C'est un petit message que je demande avec tout mon amour, tout mon respect, toute ma gratitude pour vous, ce petit message. Donc il y a déjà une carte qui a sauté. Donc ce seront deux défunts qui vous enverront un message ce soir. Allez, on y va. Ce soir, nous sommes le 10, 11, 12, 13, le 13 avril. Je posterai cette vidéo certainement demain. Le 14, j'espère. Et voilà, une petite carte. Oups, allez, elle saute, elle ne saute pas. Allez, hop, je la prends. Celle-ci, j'ai envie. Alors déjà, celle que j'avais retournée. Oh, pff, magnifique. Les heures jumelles, hein, toujours en ce moment, c'est énorme. Les heures miroirs et les heures jumelles. Les heures miroirs, c'est celles qui font, par exemple, 15h51. Ça, c'est une heure miroir et 11h11, une heure jumelle, puisque c'est le même nombre qui se répète face à face. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message. Je t'appuie en ce moment. Voilà, message de nos chers défunts disparus ainsi que de nos guides, hein, les heures miroirs, les heures jumelles. Tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti. Si ce n'est qu'un léger étourdissement, je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Voilà pour les deux belles petites cartes de ce soir. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous laisse et je vous dis à très très vite pour un nouveau thème de vidéo. Là, c'était vraiment une petite vidéo. Pensez, une vidéo à chaud d'un ressenti du moment. En revenant de ma promenade avec ma chaîne, je vous aide. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. À très vite.